L'au-delà de Lucio Fulci est un film d'horreur italien sorti en 1981. Le film suit l'histoire de Lisa, une jeune femme qui hérite d'un hôtel en Louisiane. Elle découvre rapidement que l'hôtel est construit sur un portail vers l'enfer et que morts et démons sont libérés dans le monde des vivants. Le film commence en 1927 en Louisiane avec le lynchage par des villageois d'un peintre nommé Schweck, tué pour son art par des bien-pensants. Cette séance de lynchage sera reprise dans La Longue Nuit de l'Exorcisme par le même réalisateur. Au même moment, non loin de là, une jeune femme lit le livre d'Abon, où elle apprend que l'hôtel a été construit sur l'une des sept portes de l'enfer. Au moment où le peintre est crucifié, le livre prend feu. 54 ans plus tard, en 1981 donc, on rencontre le personnage de Lisa, joué par Catriona McColl, qui hérite de cet hôtel et décide de le restaurer, mais des événements étranges vont alors se produire. Nous allons parler ici de scènes clés, puisque c'est une suite de séquences sans réelle logique, mais nous y reviendrons plus tard. Un peintre tombe d'un échafaudage à la suite d'une vision fantomatique. Suite à cela, nous rencontrons le personnage de John, qui est médecin. Un plombier se rend dans la cave car il n'y a plus d'eau dans l'hôtel et se fait sauvagement tuer par le peintre complètement décomposé. On se retrouve dans un hôpital où une mère et sa fille vont voir le père décédé, le père étant ce fameux plombier. On ne sait pas qui est venu chercher le corps, en tout cas cela ne choque personne à l'hôtel. Lisa rencontre Emily sur un pont qui lui conseille de quitter l'hôtel. Une séquence onirique du plus bel effet sur ce pont de 38 km qui bloquait la circulation pendant 2 heures. Discussion entre Lisa et Emily où cette dernière la met en garde pour la deuxième fois, Emily lui demande de quitter l'hôtel. La jeune femme atteinte de cécité s'enfuit comme si ne rien n'était. De plus, ses pas ne font aucun bruit, Lisa soupçonne Emily d'être un fantôme. Martin, l'architecte, se rend à la bibliothèque pour consulter les plans de l'hôtel. Il tombe de l'échelle, s'ensuit une séquence déconseillée pour les arachnophobes, une séquence similaire avec des escargots est visible dans le film Enigma du même réalisateur. Martha, la femme de chambre, nettoie la numéro 36. C'est à son tour de se faire tuer par le plombier. Celui-ci sort d'une baignoire, scène qui sera reprise dans le jeu Resident Evil. Dans sa villa, Emily est menacée par une armée de morts qui se matérialise devant elle. Elle leur crie de partir et lance son chien sur eux. Son chien la défend certes, mais se retourne contre elle et la dévore, après avoir été en contact avec les morts. Lisa se rend à l'hôpital qui est assiégé par des zombies. Zombies qui étaient à la mode à l'époque ont été demandés par le producteur parce que pas prévu à la base. Lisa et John s'échappent de l'hôpital mais se retrouvent dans le sous-sol de l'hôtel, franchissent la porte de l'enfer et se retrouvent dans le paysage peint dans le tableau de Schweck. Devant eux, un scénario surréaliste, rempli de cadavres nus, sans début ni fin, l'au-delà. Des voix murmurent leur prénom. Incapables de trouver une issue, ils s'arrêtent et clignent des yeux de terreur et de consternation. Devenus aveugles, ils deviennent à leur tour les gardiens de la passerelle entre le monde des vivants et celui des morts. Cette scène finale est le point de rupture entre les deux mondes. Alors oui, le film est déstructuré, des propres aveux du réalisateur, il ne voulait pas s'embêter avec les conventions habituelles de la narration. Fulci aura une totale liberté sur le projet et sa voix, sur le tournage, et il modifiera le scénario au gré de ses idées. Ici, le visuel prime sur le narratif. De scènes choc aux trouvailles de mise en scène, les images fascinent par leur beauté et l'impact qu'elles produisent. Si Argento a son Goblin, Fulci a son Fabio Frizzi. La musique du film L'Au-delà, composée par Fabio Frizzi donc, est une œuvre qui reflète parfaitement l'atmosphère sombre et mystérieuse du film. Elle est principalement constituée de thèmes récurrents qui évoquent la peur, le mystère et la mort. La musique d'ouverture, Voci dal Nulla, est un thème d'ambiance qui évoque une sensation de vide et de solitude. C'est aussi un morceau qui est souvent associé au personnage principal du film. Il est constitué d'une mélodie et est accompagné de violons et de chœurs utilisés pour les scènes finales du film, qui sont souvent empreintes de mélancolie. Le morceau Suono Aperto est un thème plus léger, qui est utilisé pour les moments de transition et pour les scènes qui ne sont pas directement liées à l'intrigue principale. Il utilise des instruments à vent et des percussions pour créer une ambiance plus détendue.
Le thème Verso l'ignoto est un morceau qui évoque une sensation de tristesse et de perte. Dans l'ensemble, la musique de Fabio Frizzi pour Le Delà est une œuvre qui contribue grandement à l'atmosphère du film. Elle utilise des thèmes récurrents pour créer une cohérence musicale tout en variant suffisamment les ambiances pour accompagner les différentes scènes du film. Au casting, nous retrouvons Catriona McColl et Jerry de Fulci à l'époque, qui est intimement lié à la Gates of Hell trilogie, avec Freyer et la maison près du cimetière. Doublé ici par Monique Thierry, voix régulière de Goldie Hawn, Katie Bates, Sally Field, Angelica Houston et Judith Light entre autres. David Warbeck, star du bis italien déjà vu dans Le Chat Noir de Fulci et de Miami Golem, doublé ici par Bernard Tiffen, voix régulière de Jeremy Irons, Harvey Keitel, Christopher Walken, Chuck Norris, Donald Sutherland, Stacy Keach et James Caan. Et enfin, Cynthia Morreale qui joue le rôle d'Emily qu'on a vu notamment dans Celle d'Argent de Lucio Fulci toujours, ainsi que dans Blue Holocaust de Joe D'Amato. Le film sort en 1981 en Italie et en France en octobre de la même année, en version intégrale interdite aux moins de 18 ans. Il sera totalement censuré en Angleterre et sera inscrit dans la liste des vidéos nasties. En Italie, lorsque le film sortira en VHS, il sera amputé de la séquence d'intro, ce que le réalisateur prendra très mal. Cette même scène d'intro proposée en noir et blanc, voulue par le réalisateur et que tous les pays dans le monde ont respecté, sauf l'Allemagne, qui préférera la couleur. Le film ressortira en 1998 aux États-Unis dans sa version intégrale dont les Américains étaient privés jusque-là. Très mal accueilli lors de sa sortie par la critique, jugé porno du point de vue des scènes gore, il est aujourd'hui totalement réhabilité, si bien que nous avons droit à des bandes dessinées, des figurines, bandes originales, t-shirts, et dans le cinéma populaire tel que le Spider-Man de Sam Raimi, qui a le même monteur que la version de 98 aux États-Unis, aucune coïncidence ici. Alors pourquoi ce succès? Pourquoi ce statut si particulier? Il a tout d'abord profité du filon de son époque avec l'apogée des films fantastiques et l'extrême violence qui a forcément joué de ce succès. Violence à prendre au premier degré, assez loin de l'humour gore d'un Evil Dead par exemple. L'Au-delà est une œuvre réaliste et jusqu'au boutiste. Tourné en Louisiane avec un budget de 580 millions de lire, environ 460 000 dollars, il fut un réel carton à travers le monde. Il fut même le film italien le plus vu de tous les temps aux États-Unis. Le cadre de la Nouvelle-Orléans apportant un sentiment anxiogène, moite et sale. Au-delà de son ultra-violence, le film est connu et reconnu pour son exploration de thèmes plus profonds tels que la vie après la mort et la nature de l'existence humaine. Les décors aussi, mention spéciale à l'hôtel, qui d'ailleurs existe toujours et qui a été transformé en musée que l'on peut visiter. Le film pose des questions sur la nature de la réalité et de la conscience, et explore les limites de la perception humaine. A ceci ajoutons des décors sombres et lugubres, des couleurs vives et saturées qui ajoutent un côté macabre à l'atmosphère. Fulci utilise également des plans rapprochés sur les visages des personnages pour créer une tension et une anxiété supplémentaires. Le film est considéré comme un classique du genre de l'horreur italien, avec des éléments de gore, de violence et de surnaturel, et des effets spéciaux impressionnants pour créer une atmosphère de terreur et de suspense tout au long du film. L'au-delà est une continuité logique de Freyer sans entretenir aucun rapport au niveau des personnages ou de l'histoire. Il a souvent été question d'une suite intitulée Beyond the Beyond, au-delà de l'au-delà. Le scénario existe, mais la rumeur que des scènes fut tournée est fausse. Ce film est disponible chez Artus Film en Blu-ray et la bande originale chez Beats Records dans une box regroupant les scores de La Maison près du cimetière et de Freyer sur CD, chez Deathfans Records, en vinyle et chez Kadabra Records, toujours sur vinyle, dans sa version Composer's Cut, beaucoup plus rock, donc moins immersive, et est même ressorti en cassette chez le label Black From The Grave. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde!